Bonjour et bienvenue dans Les Enfants de la République dont vous êtes l'invité, Thomas Laine. Bonjour. Bonjour, monsieur Azizar. Alors, vous publiez chez Grasset Les Bouffons de la haine. Ouais. C'est l'histoire de votre parcours d'infiltré au sein de l'extrême droite antisémite d'Alain Soral. Un livre préfacé par Caroline Forest. Alors, d'abord, qui êtes-vous, Thomas Lennes? Qui étiez-vous en 2011 au moment où débute, débute ce parcours d'infiltré? Alors, aujourd'hui, je suis un scénariste. Ouais. Je travaille depuis 6 ans. J'ai fait une série pour M6 qui s'appelait Commissariat central. Et euh, j'ai fait une série pour Canal qui s'appelait Access avec mon cher et tendre Adoré à Metzila. Mmh. Et j'ai fait deux films, dont un dernier film qui a très bien marché, qui s'appelle Inséparable, qui a fait plus d'un million d'entrées. Donc je suis un auteur et scénariste à succès selon certains. Alors avec une vie professionnelle qui n'a pas commencé comme ça. Oui. Mais alors 2011. Oui. Donc. Ah 2011. 2011. 2011, c'est une, c'est notre histoire. 2011, je, je sors d'un parcours de, de délinquance. Euh, qui est malheureusement représentatif de beaucoup de gens de quartier. Donc vous étiez à Créteil. Hein oui, suis un enfant de Créteil, euh, euh, petite banlieue à Créteil. J'habitais dans les choux, pour ceux qui connaissent Créteil et tout, à l'époque où il faisait un peu bon vivre, où il y avait de la mixité, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et, euh, et voilà, et donc j'ai eu un parcours malheureusement de petite délinquance. Et euh, en 2011, je me retrouve dans cette histoire-là euh, avec quelle, euh, quelle histoire Précisez-nous de quoi il s'agit. En 2011, je me trouve dans l'histoire Tron. Ouais. Donc, je me, il s'avère que je tombe dans l'histoire Tron parce qu'il s'avère que ma voisine, euh, qui était une des plaignantes déboutées aujourd'hui, je précise, euh, dans l'affaire Tron, vous avez raconté à l'époque qu'elle allait piéger Tron pour le Front National. Mmh. Et c'est comme ça que mon histoire commence parce que j'ai quand même une fibre euh, euh, antifasciste. J'avais une fibre antifasciste à l'époque parce que malgré mon parcours de délinquance. Je ne suis pas qu'un banlieusard. J'ai quand même un, un parcours familial mm -hmm. euh, de, 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 de combattant. Alors justement, je vais écrire ce que je vais lire ce que vous écrivez dans oui. votre dans votre livre. Vous dites que vous pas grandi dans le ressentiment post-colonial. Je oui. vous cite au Cameroun, mes, enf mes ancêtres Bassa ont mm -hmm. été déportés, esclavagisés mm -hmm. à cause de la traite arabo-musulmane, oui. cette histoire immunise contre la tentation de croire oui. que l'Occident détient le monopole du mal. Mes oui. sœurs, vous parlez de vos oui. sœurs, disaient souvent, les noirs, les blancs, les arabes, c'est du pareil au même. Au final, c'est toujours nous, les meufs, qui trinquons. Alors pourquoi ces paroles qui ressemblent au début du livre, hein. oui. euh, quelque part, une mise au point. Oui, c'est une mise au point parce que c'est notre histoire. C'est euh, mon histoire. Je suis euh, Camerounais et euh, Centrafricain. Je suis Bassa du côté de, du Cameroun et, et Manja du côté de la Centrafrique, qui mmh. est une ethnie guerrière qui a lutté contre toutes les invasions. Donc c'est vrai que ça, c'est un truc qui nous parcourt. Mmh. Et, et, et c'est vrai qu'on, le point commun qu'on a, euh, et que j'ai, les gens de cette ethnie-là, bah ça, et Mandja, c'est qu'on est contre la victimisation. Mmh, contre la victimisation, donc c'est le contraire de, de Dieu Donné, par exemple, dont on va parler. Exactement, un anti victimaire Voilà, au début des années 80, vous, donc vous étiez en, en 1975, oui, vous vivez à Créteil, oui. comme on est de le dire, et vous écrivez dans la cour de récréation, donc à dans, dans, dans l'école primaire, ouais. hein, on se mélangeait feuge, rebeu, renois, blanc, ce n'était pas le sujet. Le grand débat porté sur ce qui nous faisait marrer à la télévision. Exactement. Hein exactement. J'ose croire qu'encore aujourd'hui, ça marchera encore un peu parce que, malgré ce qu'on dit, euh, bah, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu fait 12 millions d'entrées, euh, un tout chape fait 20 millions d'entrées. Mais c'est oui. vrai qu'à l'époque, ce qui nous faisait marrer, euh, moi, j'ai grandi avec les inconnus, j'ai grandi avec Luc Funès, j'ai grandi avec les bronzés. On, on a tous grandi avec ça. Allez, et vous poursuivez la question Feuge parce que c'est au centre du livre. Hein. Bien sûr. La question Feuge, l'antisémitisme, c'est ce que vous avez perçu chez, chez Soral et Dieudonnet. Oui. Euh, la question en Feuge, fait, et puis vous, 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 étiez, vous étiez en plein dedans euh, à l'époque, mmh. la question en fait, je ne se posait même pas. C'est à l'école que j'ai découvert l'antisémitisme après une projection de Nuit et Brouillard, oui. un film que j'ai pris en pleine face. C'est vrai ça Oui, bien sûr, mais on, ben, comme tout le monde. Ouais. Tout le monde, enfin je veux dire, euh, n'importe quelle personne normalement constituée, quand tu vois ça, t es, t es, ben, forcément, tu horrifié. Mmh. Donc je l'ai découvert comme ça. Et puis après mais malgré malgré euh, malgré, euh, malgré ça, on a on était quand même pas encore dans le communautarisme à l'époque. Mmh. Pas encore. Ah, vous dites, ça tout arrivait tout était, bien plus tout tard. Tout le monde était mélangé d'ailleurs, c'est quelque part, c'est un petit cercle de Créteil, hein, c'est oui. un peu le, le melting pot mmh. euh, avec beaucoup de de de, 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 de Juifs d'Afrique du Nord qui sont Oui, ouais, bien qui, sûr qui bien sûr à, qui étaient au lac. Voilà, étaient au lac euh, voilà. au lac de Créteil. Et ça. alors, vous donc vous comme vous dites, vous vivez d'arnaque et de magouille pour gagner oui. un peu d'argent oui. jusqu'à Jusqu'à euh, qu'on vous propose de travailler comme indique, oui. euh, en signalant divers. Ça, c'est Caroline Forest qui le précise oui. dans dans sa préface d'éventuels dingo, mm -hmm. en clair, des apprentis terroristes au sein d'un mouvement soral. Alors là, exactement. Bah, les apprentis terroristes, c'est-à-dire que euh, la, force de, la, la grande force de Soral et de Dieudonné, surtout qui était mmh. le principal rabatteur de jeunes de quartier, c'était de séduire une jeunesse, euh, manipuler une jeunesse en colère mmh. et, euh, et, et à travers la haine, la haine des Feuges, hein, c'est mmh. comme ça que ça se passait, la haine des Juifs, pour ceux qui, le, qui, qui, ont, qui ont passé ces termes un peu un peu trop euh, trivial, pardon. Et, euh, et, et donc voilà, et donc euh, à l'intérieur, dans son recrutement comme recruter des jeunes, il y avait à l'intérieur de, 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 de ce mouvement des jeunes qui étaient plus sensibles à se radicaliser que d'autres, et c'est c'est là qu'il fallait signaler. Qui allait, qui pouvait aller vers, vers, vers l'islamisme oui, radical, quoi. Radical, qui, radical, vers vers le, vers le, vers qui pouvait le aller le... en Syrie Et donc c'est là que débute votre parcours d'infiltré, oui. donc entre 2011 et 2014, oui. chez Soral, pas sous votre nom, sous le oui. nom de Mathias Cardé. Oui, exactement. Et alors, question, hein, pourquoi vous avez attendu 10 ans, 10 ans pour raconter cette histoire, pour raconter... Votre histoire. Alors, euh, moi, ça se termine en 2014 lorsque je suis découvert. Mm -hmm. Et il faut savoir que quand ça se termine en 2014, ça se passe très, très, très mal. Mm -hmm. Ça se passe très mal avec Dieu Donné, très mal avec Soral, très mal avec ses sbires. Parce que Soral fait quand même la jonction entre les national nationalistes identitaires mm -hmm. et euh, les islamo. Il mm -hmm. euh, euh, y a des gens dont, dont je parle dans le bouquin qui s'appelle Jérémy Maradas, euh, Joe Dalton, qui avec les bacs, parler, là, on on me parler. protège, ouais. mais quand même, euh, je vis, c'est très très dur et ce qui fait que de 2014 à aujourd'hui, je vis caché. Hum. Euh, on va parler de ce qui éventuellement vous arrive aujourd'hui. Et, et si j'en parle aujourd'hui, comme je peux vous le dire, c'est que y a une prescription des faits, ouais. parce qu'il y a des choses aussi répréhensibles que j'ai fait à l'intérieur contre hum. eux. Donc il y a une prescription des faits. Il y a aussi le fait que j'ai envie de, 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 bah, de, de rétablir mon nom, le nom de mes enfants. Et voilà, et puis aussi d'empêcher des gens d'instrumentaliser mon passé. Et puis, et puis, et puis parce que je trouve que c'est d'actualité. Alors, actualité. Et je vous pose cette question sur le pourquoi dix ans. Parce que certains journalistes couvrant l'extrême droite. Oui. Doutent de votre site infiltré. Alors, oui. Notamment le site Arrêt sur image qui oui. rappelle que vous avez eu un rôle trouble dans différentes affaires oui. politico-judiciaires. Ici, ce dont vous avez parlé, l'affaire, oui. l'affaire l'affaire aussi, oui. aussi Zia Tiakiti, qui d'ailleurs question de livre. Qu'est-ce que vous répondez à, à vos détracteurs? Comment vous expliquez, euh, Thomas qu'on mette en doute votre parcours et d'ailleurs aussi le témoignage de Caroline Forest, avec qui vous avez travaillé, je crois, pendant deux ans, mm -hmm. et donc qui préface mm -hmm. votre livre? Comment mm -hmm. vous expliquez, quelque part, hein, ce mm -hmm. procès qui vous est fait? Bah, déjà, je pense que, déjà, c'est inacceptable. Dans un mmh. premier temps, je l'accepte pas ce procès. Le procès qu'on fait à Caroline forêt je pense qu'elle répondra par elle-même, mais je pense qu'elle n'a pas de leçon à recevoir sur l'extrême droite. Et alors vous Moi, je pense que je n'ai aucune leçon à recevoir de ces gens-là, parce que déjà d'une. Parce que quand on. Pourquoi il se base aussi sur, sur notamment une vidéo que vous aviez réalisée à l'époque hein, Oui. Où vous preniez les. C'était au théâtre de la Main d'Or de, de Dujardinet, et vous reprenez à votre compte. Et bien vous étiez infiltré. Mmh. Hein, les, les, les arguments, la rhétorique, les thématiques antisémites de. de ce alors, des, des, des rhétoriques et des thématiques antisémites, non, parce que jamais été. Je non mais attention, le, oui. parce que je précise même à l'époque j'ai toujours fait attention. Mm -hmm. J'ai toujours fait attention de pas de pas de, de flirter là dans la mm -hmm. ligne rouge pour avoir aucun procès, avoir aucun propos euh, border donc jamais. Mm -hmm. euh, deuxièmement, euh, ce que je leur reproche c'est que ces spécialistes dits d'extrême droite mm -hmm. euh, euh, de, la, de cette presse là ben, où est -ce que étaient ces gens-là, moi, en 2014? Moi, ça fait depuis 2015 qu'ils me, qu me font cette guerre-là, Soral. Soral a fait une vidéo mythique mmh. dans le milieu dit euh, de la fachosphère, mmh. dans laquelle il me débunk. Il fait une vidéo d'une heure, dans laquelle il donne mon vrai nom, mmh. dans laquelle il dit que je suis un infiltré. Mmh. C'est une fatwa qui me met, mmh. en dehors des médias. Ils étaient où pendant ce temps-là? C'est-à-dire que moi, de 2015 à aujourd'hui, je lutte contre ces mecs-là. J'ai dé déménagé trois fois. Dans le silence le plus le, 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 le plus complet. Je ne sors pas aujourd'hui pour euh, faire carrière. Je fais déjà carrière dans le cinéma. Si je sors aujourd'hui, c'est parce que je peux parler aujourd'hui. Donc, j'ai pas de leçons de recevoir. Et alors, donc vous dites, -là. donc vous leur dites ça à, à ces gens-là, arrêt sur image à tous ces gens je qui, bien sûr, je qui, leur qui disent, ils disent ce que j'ai dit pour les auditeurs, ils disent en gros. Vous n'étiez pas un infiltré, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, oui, bien Ils bien disent que vous, vous vous essayez de vous de, de, de refaire votre biographie, mais, mais c'est pas la carrière d'un infi... enfin c'est pas le parcours d'un infiltré. Bien bien jour. Jour. mais je leur réponds déjà que je ne pas de refaire puisque la carrière je l'ai déjà faite. Mm -hmm. Et deuxièmement, ce que j'ai envie de leur dire, mais vous croyez pas que je suis euh, euh, un, un jeune sorti de quartier sans famille. Mm -hmm. Il y a des gens, mm -hmm. j'ai des amis, des parents pour témoigner, des, des femmes, enfants. Il y a des gens qui ont combattu à mes côtés. Euh, des gens connus, des gens réputés, comme Joe Dalton et d'autres. Euh, donc je veux dire, il y a beaucoup de monde autour de ça. Et, et d'ailleurs, même quand j'ai fait carrière dans le, dans le cinéma, j'ai toujours dit mon nom. Donc je, en fait, je me cachais de Soral parce que Soral me fait une guerre depuis 2014-2015, mmh. et je n'ai pas à recevoir des leçons de spécialistes de, de, spécialiste de salon. Et donc Et donc vous dites, tout ce que vous écrivez, c'est vrai et c'est du vécu. C'est tellement vrai que je n'ai pas tout dit. Parce qu'il y a certaines choses que je ne pouvais pas dire de sous peine de d'avoir de, de, des 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 des, Quoi, par des réponses. <laughs> hein? ah, mais je, je peux pas je tout peux dire. dire. Je peux alors, pas tout dire. mais alors aussi autre chose. Hein. Depuis des années, depuis le quasiment le début des années 2000, on sait que Soral il est. Antisémite, il est révisionniste, qu'il a la haine des femmes et qu'il vit de magouille à travers son site Égalité Réconciliation parce que c'est un c'est c'est un, un fonds de commerce qui lui rapporte beaucoup d'argent. Qu'est-ce que votre livre, qu'est-ce que votre témoignage apporte de nouveau Alors on le savait à l'époque, c'est vrai parce que c'était un, un antisémite mondain parce qu'il a il passait quand même à la télévision. Hein, on euh, parlera de tout, tout, un anti Quand c'était un antisémite mondain, comme je pense qu'il y en a encore beaucoup, mmh. euh, à la limite, oui, euh, les gens vont pas apprendre grand-chose, mais ce qu'ils vont apprendre, c'est Comment, ce qui m'intéresse moi et pour des gens qui me ressemblent, c'est comment il manipule des gens de quartier, donc, Des quartiers va... populaires, de la banlieue, comment lui et les gens qui sont derrière lui, parce que je ne vais pas lui donner non plus tellement de mérite, c'est mmh. surtout les gens qui sont derrière lui, qui l'ont pensé, qui l'ont réfléchi et qu'on retrouve aujourd'hui dans mmh. le spectre politique actuel. Mmh. Donc, comment ces gens-là manipule les gens de quartier. Et moi, c'est ça que j'ai envie de raconter. On va en parler. Mais ça a, été, ça a été dit aussi. Ça a été dit. Oui. Mais alors, avec d'ailleurs aussi, puisqu'on peut pas parler d'aujourd'hui, des pressions, des menaces qui sont exercées sur vous, oui. sur votre famille. Oui, bien sûr. Y, comp pour ça, pour ça, pour ça. y compris vos enfants. Hein, surtout. Euh, par Sarah et ses amis, est-ce que vous estimez que eux, vos enfants surtout, hein, votre femme, oui. sont en danger et vous-même le, le, le euh, je, je pense oui. qu'on n'est jamais à l'abri d'un dingo. Oui. Je pense que je pense qu'on n'est jamais à l'abri d'un déséquilibré. Mm -hmm. Et oui, c'est le cas. Et d'ailleurs, c'est un, une des choses qui me qui me qui, qui m'énerve le plus quand j'ai des attaques de, de, de je vais être méchant, mais de donneurs mmh. de, 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 de leçons de salon, mmh. c'est qu'il faut qu'ils vivent ma vie aujourd'hui. Moi aujourd'hui, euh, je me tape euh, les, na, les, na, les nationalistes identitaires, mmh. euh, les islamistes, mmh. euh, les gens d'extrême droite, les gens d'extrême gauche. D'ailleurs, n'ai auc aucune chose à gagner, moi, dans cette histoire. Et alors, il y, y a eu des attaques, des menaces contre vos enfants, par exemple Oui. a eu On m'a dit qu'il y a eu des attaques, des menaces, oui. y compris vendredi, c'est vrai j'ai pas envie de j'ai pas envie de rentrer dans les détails hein bah il paraît qu'est-ce qui s'est passé il s'est passé des choses non je peux pas je peux pas en parler parce que j'ai pas envie que j'ai pas envie il y a une plainte déposée oui j'ai pas envie qu'il ça. une orgueil de plainte déposée contre des proches de Soral qui ont menacé vos enfants a priori oui a priori, oui. A, priori oui. a priori des proches donc il y aura des suites judiciaires ah ça c'est sûr que ah bah, j'espère parce qu'après, ouais. maintenant les... Le Soral est toujours euh, toujours dehors ils se sont euh... pris à vos enfants à votre fils oui hein ça vous pouvez dire oui hein oui mais je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Mais ils sont, ils sont prêts à votre fils. Et ouais. Donc une plainte a été posée pour ouais, ça. Bien sûr. Donc ça veut dire que Soral est un homme dangereux. Ah mais c'est moins qu'on puisse dire. Hein? Mais ce sont des gens dangereux. Ouais. est dangereux. Entouré de gens euh, dangereux. Entouré de gens dangereux. Dieu à entouré de gens dangereux. Euh, oui bien sûr ce sont des gens dangereux. Hum. Quand je dis bouffons, c'est des bouffons dans le côté séducteur. Les bouffons, de des gens, mais hein? bouffon de des bouffons des gens. Mais c'est de laine, la C'est des gens dangereux. C'est le titre du livre. Ah ouais. Alors on va on va en venir, on en vient à votre livre, à tout ce que vous écrivez dans votre livre Tom Allen. Racontez-nous d'abord comment. Se passe ce premier contact avec monsieur Antoine, mm -hmm. de son vrai nom Noël Dubus. Oui. Cet indique de police qui vous recrute. Bah, la, la Très rapidement. La première, fois que je le, la première fois que je le vois, moi, je suis pas impressionné parce que c'est euh, voiture banalisée. J'ai mm -hmm. l'impression que c'est un policier. Mm -hmm. Et euh, il m'amène au, 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 au palais au, au, au tribunal de. Au palais de. palais de police de Versailles. De Versailles. De Versailles et je rentre à l'intérieur comme, comme Moïse, quoi. C'est-à-dire mm -hmm. que j'ai pas de contrôle. Euh, c'est la première fois de ma vie. Surtout que moi, en plus, j'étais un fibre délinquante et tout. Mm -hmm. Je vais là-bas, il me fait traverser les étages, quatre, J'y connais tout le monde comme le loup blanc, et au dernier étage... C'est vrai que c'était Nanterre, d'ailleurs. Oui, c'était à Versailles. C'est à Versailles, à Versailles. Nan peu. Nanterre, c'est après. après. Et quand je vais à Versailles, il me présente le, mmh. le, le patron de la, de, la, de la police de Versailles. Mmh. Et, alors, et donc, bon, quel a été le déclic Qu'est-ce qui vous a poussé à accepter cette proposition de M. Antoine Est-ce que c'est l'appât de la promesse de gain, parce qu'il vous promet de l'argent Est-ce que c'est l'aventure ou est-ce que c'est la, la volonté de combattre la fachosphère Non, alors il faut que je sois honnête, c'est pas la, la oui, pas la volonté de combattre. Ce oui, c'est pas la volonté. À ce moment-là, c'est pas la volonté de combattre la fachosphère parce que je ne mmh. je ne maîtrise pas vraiment Soral à ce moment-là. Justement. Là, alors, alors justement, vous dites dans le livre, euh, il vous demande quand vous le rencontrez, Monsieur mmh, Antoine, mmh. Euh, il vous demande si vous connaissez Soral et Dioune. Hein, je... Ah, vous dites Dioune oui. Dioune, je connais super hein? bien, c'est une superstar. Dieu oui, Soral. Soral, ouais. je connais pas. Je l'avais vu une fois dans C'est mon choix mmh. à la télé, je crois. Euh, voilà, où il parlait sur les, sur les nanas, mais mmh. je ne connais pas particulièrement, je ne connais pas Soral, je connais pas, ce oral, je connais mmh. pas vraiment ce qu'il fait. Et donc Dieudonné, vous connaissez, vous écrivez aussi que donc vous vous, vous parlez de Dieudonné et mmh. vous écrivez vous, écri vous, écri vous écrivez que Monsieur Antoine mmh. Dubu vous explique que Soral est l'homme qui a organisé entre le, le rapprochement entre Dieudonné et le Front National. Oui. Hein? Alors oui. et vous dites ça me ça me le rend pas sympathique. Ah, bah, c'est vrai vous dites ça à ah, l'époque. Bah, bien sûr. Bah, hein? Oui. Et, mais d'autant plus qu'en plus maintenant c'est beaucoup plus précis que ça parce qu'avec mmh. le temps on, on se rend compte que c'est vrai que derrière tout ça sais, il y a quand même Jean-Marie Le Pen qui est figure On va en parler. parler. Mais vous dites je rentre chez moi, mmh. je tape, euh, je. Oui, je regarde. Je, sur Google, euh, qu'est-ce qui se passe Et vous dites, enfin, qui ouais. est ce Soral Vous dites, c'est vidéo carton. Soral est en train de devenir l'un des premiers YouTubers de la haine. Ouais. Et vous apprendrez ensuite que c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, à l'instant, euh, que c'est un fonds de commerce lucratif qui lui rapporte beaucoup d'argent. Ouais. Et vous dites des millions et des millions. Ouais. Hein bien sûr, mais c'est vrai que comme moi, quand je regarde la première fois, à l'époque c'était Dailymotion, les vidéos sont vraiment bien. Je trouve vraiment un mec, euh, putain, c'est bien fait. Il euh, y a des moments drôles, il faut le dire. Il y a des moments drôles, il y a des moments trucs. Mais... Et ça... Euh, ponctué avec des trucs, des, des trucs de haine absolue, quoi. Mmh. Je me dis putain, je peux comprendre comment ça peut séduire des, des, des jeunes ou des gens de tout horizon. Euh, qui peuvent se faire avoir par ce truc du divertissement. Alors Soral, avec à côté son association, son mouvement, euh, c'est quelque part son parti politique, Égalité oui, et Réconciliation, comment vous, comment vous entrez là-dedans ben, En fait, euh, à l'époque, Égalité Réconciliation, euh, ils sont très paranoïaques. Mm -hmm. Ils sont très paranoïaques, à Égalité Réconciliation, parce que c'est vrai qu'ils font ce qu'on appelle des clubs de lecture une fois par mois, où en fait c'est un club, un truc de rencontre, où des jeunes de quartier cooptent quelqu'un de quartier, et c'est la rencontre entre les jeunes de quartier et les cadres, qui sont tous des faf identitaires, voilà. Et non, alors, vous après, dites les quatre c'est plutôt des blancs hein. Bah, c'est que des blancs. Hein voilà. C'est que des blancs. Et donc il euh, y a cette rencontre là où il y a des gens qui peuvent euh, parler de de tout et de rose en enfin, fait surtout que ça, en plus c'est particulier parce que c'est les jeunes qui peuvent te parler de rap, euh, qui peuvent te parler de tout. Il ouais, y, y a le côté rap, rap les dont les... vous parlez, c'est vous consacrez un chapitre on en parlera exactement. Euh, ouais. Et c'est comme ça. Et puis après moi en fait avec une vidéo bidon que je fais puisque moi j'arrive avec un livre bidon. Et euh, Alors on et parle puisque vous parlez de vous vous parlez de ce livre on va oui, en parler oui. vous commencez doucement à vous faire connaître en, en écrivant un livre oui. Ou les Black hein en fait même pas doucement je me fais en fait j'écris un livre ouais. bidon pour rencontrer Soral puisque mmh. je fais les livres chez un chez l'éditeur qui édite aussi qui édite aussi Soral il me présente Soral ça dure cinq minutes il me calcule mmh. pas mmh. sauf que la, la figure du livre que je fais c'est-à-dire d'un faux hooligan patriote ils me font faire une vidéo à l'intérieur du site d'Alain Soral mmh. et à l'intérieur du vidéo du site d'Alain Soral en fait en une vidéo en une vidéo que je fais flouter, je deviens une superstar, je fais des milliers de vues mmh. et je deviens tout de suite une figure. Mmh. Ce qui explique un peu leur mode de fonctionnement, c'est-à-dire que à cette époque-là, c'était le le virtuel, le YouTube, ce qui est dans YouTube, c'est la vérité. Et alors Soral, quand il voit ce, ce livre et puis il y a cette vidéo, il vous propose de, de faire une conférence sur le rap pour. Tenter, plus tard, plus tard, oui, beaucoup mais, plus tard. Mais on, on, on passe un peu des hein, étapes. On passe des étapes parce qu'il faut parler de tout. Donc il vous propose donc de faire une conférence sur le rap ouais. théâtre, au Théâtre de la main d'or ouais. de, de Dieu donné pour tenter ouais. de rallier un nouveau public à l'organisation, ouais. à sa égalité et réconciliation. Ouais. Pourquoi cibler le rap et pourquoi signer cibler, euh, cibler pardon les fans du rap Bah en fait le cibler le rap parce que le rap c'est le terreau. Le rap, c'est le terreau de la, de la jeunesse, c'est la culture populaire, c'est ce qu'on écoute, le rap. Et donc pour ça, en fait, il a un double enjeu. Non seulement euh, ramener un nouveau public, mais aussi, il voulait surtout que je ramène une prise de guerre, qui est Joe Dalton, mm -hmm. qui est la figure de chasse. Alors, Joe Dalton, il rentre, il entre en scène à ce moment-là. Oui, il rentre en scène à ce moment-là. Euh, et et c'est pour ça que Dieu Donné, que Soral vous prête le lieu pour la conférence qui oui. est le théâtre de la main d'or de Dieu Donné. Oui. Parce qu'en fait, il y a il faut comprendre que Dieu Donné et Soral, c'est un rapport de amour et haine. Mm -hmm. Il y a une rivalité entre les deux. Euh, Joe Dalton, c'est le premier, euh, noir dans les années, dans les années 2000 à avoir affronté, euh, euh Et donc, du coup, Soral se dit, si moi je ramène Dieu Donné, euh, si moi je ramène Joe Dalton à la main d'or, je vais montrer à Dieu Donné, ah bah, tu vois, moi je peux ramener Joe Dalton. Premièrement. Deuxième chose, Joe Dalton, c'est une figure de la lutte antifasciste, puisque c'était les années 80, les antifas etc., et les Donc, Black chef de gang, et qui dirige, il dirige la, la section antifasciste la section kamikaze. Kamikaze, Black Dragon, kamikaze, et tout. Donc, il y a cette figure-là. Et donc, en fait, il se dit, là, je vais pouvoir ramener, et à ramener un nouveau public, ils vont dire, ah ben non, donc, s'il y a Joe Dalton à côté de lui, c'est que... Mais, mais il y, qu -ce y a quelque chose qu'on comprend pas, qu'est-ce que Joe Dalton, donc... Euh... Mouvement a priori oui. fasciste, qu'est-ce oui. qu'il vient faire dans un milieu de membres d'une organisation d'extrême droite? Eh ben, c'est juste à, simplement à cause de moi, parce qu'on a des liens familiaux. Oui. On a des liens familiaux. Moi, je le connais depuis tout petit, je l'ai vu comme une idole. Mmh. Euh, euh, il est, on est centrafricain. Et, euh, et, voilà. Et quand moi, je vais le voir, quand je vais le voir, je lui dis, grand, je suis dans la merde. Mmh. Parce qu'il me, parce que j'avais parlé de lui en disant que j'étais dans la fratrie Black Dragon, je suis dans la merde. Il faut absolument que tu viennes. Lui, il ne veut pas. Et je lui dis, il faut absolument que tu viennes parce que sinon je vais me faire découvrir. Et, et lui me dit, dites, ok, on le fait, mais on les baisse de l'intérieur. Et il vous dit, c'est une du livre, qu'on les infiltre et qu'on les baisse de l'intérieur. Bien hein, sûr. Ce que dire. exactement. dire. Alors ça se passe comment et quand ça se passe Et bien donc ce qui se passe, ce qui est marrant à raconter, ce que je raconte dans le bouquin, c'est hum. que, indépendamment de ça, c'est que lorsque Joe Dalton arrive, euh, avec des, des Black Dragons derrière, trouille absolue de Soral. C'est-à-dire que Soral voit Dieudonné et il lui fait bonjour, Joe. Joe il fait déjà t'es pas mon pote, t'appelles pas Joe, on se connaît pas. Moi je m'appelle Jérémy. Eh bien faut que je te parle. Donc déjà moi je suis là, je me dis putain qu'est-ce qui va se passer Il va le tabasser devant tout le monde, il va me découvrir. Et donc il prend euh, Alain Soral, il l'amène dans la loge de de, de de Dieudonné. On est tous les trois. Je me dis il va le tuer. Euh, Alain Soral, il est en panique. Il faut savoir qu'Alain Soral fait 1m90. Il fait des vidéos dans lesquelles il est champion de boxe française. Etc. Il se présente comme un grand boxeur. Et vous dites, et on, en, on, en, on en, oui. reviendra tout à l'heure, vous dites c'est un trouillard. Oh, c'est un trouillard. Là, il est tout rouge, euh, il, a les, il a la, la commission aux lèvres. Il est en panique, il me regarde en me disant qu'est-ce qui va se passer. Il va me manger, il va me taper. Hmm. Et, 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 et euh, Jonathan lui il Il a, a toujours question. été trouillard comme ça je, euh, je pense que... Euh, et, il... pourquoi et pourquoi euh, je, 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 Comment dire Je pense que c'est un mondain. Mmh. Il est rentré quand même dans ce milieu-là grâce à sa sœur Agnès Soral. Mmh. Je pense que c'est un mondain et, 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 et je pense qu'il a assez un, un effet, ben, un esthète mmh. euh, avec un beau corps, grand, etc. Et, 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 et c'est tout. Et puis après, je pense que c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup de verbe et qui sait euh, mmh. jouer un personnage. Qui sait, qui sait parler, mais après qui dit des, enfin qui était condamné des dizaines de fois, je crois. Pour, des, même des centaines même. Hein, pour pour, et, pour ses et encore parce qu'en en, en, en privé, c'est 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 pire. Et donc vous écrivez donc euh, comme vous disiez votre votre conférence sur le rap cartonne sur Internet, à oui. partir de là. Tout bascule. C'est hein. à partir de là vraiment que je et deviens et proche. Voilà. Et vous gravissez les échanges jusqu'à devenir le bras droit d'Alain Soral. Mmh. Et, et, et son garde du corps, quelque part. Oui, oui. Hein Pas bras droit, parce qu'en fait, il a toujours eu ses vrais bras droits, oui. là, ses cadres. Et traf, alors, mais... comment ça se passe pr précisément? Vous écrivez d'ailleurs, mon infiltration chez Soral est sans doute l'une des périodes de ma vie la plus éprouvante, la plus stressante, mais elle m'a forgé. Alors, comment l'infiltré que vous êtes, Mathias Cardé que vous êtes, vit, mmh. vit, a vécu cette double identité? Oui, parce qu'au début, Autant au début, j'y vais pour, pour la pas du gain, parce qu'à chaque information que je donne, évidemment, je suis payé. Au mmh. début, c'est ça. Donc 2011, 2012, mmh. euh, je, et ça se passe, je les vois une dizaine de fois. 2013, ça s'accélère après la conférence. Et là, vraiment, je suis dans une infiltration, cest à que je côtoie les cadres, je côtoie leur stratégie. Euh, je vais voir les différentes antennes qui sont dans toute la France, Nantes, Lyon, etc., euh, Bordeaux, et je vois ce qu'on appelle le Front de la foi. Le Front de la foi, c'est quoi et vous dites le bloc de la foi aussi Oui, le bloc de la foi, mmh. ça veut dire que c'est musulmans, euh, musulmans et chrétiens contre les juifs. Mmh. Et donc en fait, mais en vrai, ça c'est ce qui est sur le papier, mais en vrai c'est les islamistes et les nationaux identitaires, mmh. parce que vraiment les musulmans ne euh, sont pas représentatifs. Et je dis, euh... mais qu'est-ce qu'ils font ensemble hein On parlera eh ben, des procès, eh ben, quand on qu allait que... dans ces procès, on voyait dans la salle... Mmh des mmh. fachos, ultra-identitaires, mmh. hein, mmh. des, des islamistes, mmh. et puis ils s'entendaient très bien... Bah, les ils s'entendaient déjà sur une chose, c'est qu'ils adorent Dieu donner. Dieu donner les fait rire, mmh. déjà. Première chose, c'est Dieu donner qui rassemble, il faut voir dans son, dans son, dans son ce spectacle, il rassemblait beaucoup de gens, surtout vers la fin quand il se radicalise. donc il radicalisait, il rassemblait les jeunes de quartier euh, radicalisés et euh, les identitaires. Ensuite, Sora, il avait l'intelligence et la, la fourberie de pouvoir... Euh, 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 Trouver des points communs, c'est-à-dire euh, le virilisme, la misogynie, un euh, la, 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 la discours traditionnel, donc qui plaisait aux identitaires et qui plaisait et à l'antisémitisme. Certains... Hein. Voilà, et, et, et finalement, en troisième, l'antisémitisme. Voilà. Et alors, l'objectif le de Soral est, comme l'écrit Caroline Furest dans la préface, dans celle, la préface de votre livre, de faire glisser les milieux populaires vers un logiciel national populiste. et ce qu'on est dit, lié aux islamistes Elle poursuit. Côté face, on invite les juifs à voter pour les musulmans. Côté pile, on incite les musulmans à voter contre les juifs. Mmh. La haine monte et l'on gagne sur les deux tableaux. Qu'est-ce oui. que ça veut dire ben, Ça veut dire exactement ça. Ça veut dire que, euh, pour parler à aujourd'hui, oui. euh, ça veut dire qu'à l'époque, c'est vrai que les gens qui étaient derrière Soral, c'est les gens qu'on retrouve aujourd'hui, je ne sais, sais pas si j'ai le droit de le dire, mais c'est les gens qu'on retrouve aujourd'hui derrière Zemmour. Oui, mais on va parler. On, on, là, on parle Donc des... c'est ça que ça veut dire, dire C'est ça que ça veut dire Ça veut dire que... Euh, euh, dans, euh, en 2014, euh, les mêmes personnes qui utilisent les, les musulmans et les jeunes de quartier comme cher à canon contre les juifs et contre la, contre la République, mm -hmm. c'est les mêmes qui aujourd'hui disent, ah bah, les méchants musulmans, nouveaux bouc émissaire, les méchants noirs, ils n'ont pas les bons prénoms. On va en parler, on va en parler de tout ça, mais d'abord, les, les ficelles, pardon, mm -hmm. euh, elles sont tirées en sous-main des hommes clés du, du Rassemblement national, enfin, ah bien sûr hein, euh, du, 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 du Front national de l'époque. Et donc si Soral s'est disputé avec Marine Le Pen, c'est pour une histoire de place sur les listes européennes. Mm -hmm. et, et il n'a jamais rompu avec le père le menhir. Hein, le menhir, qui, qui, vous l'appelez ainsi. Enfin, il est appelé ainsi dans, bien le, dans la mouvance Soral, Jean-Marie Le Pen. Et des hommes, euh, des hommes clés impliqués dans plusieurs affaires de détournement de, de illégal du rassemblement de, 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 pardon, plusieurs affaires de financement illégal euh, du rassemblement national, comme, notamment, Frédéric Chatillon, oui. que l'on découvre. Alias euh, vol, hein. voilà, vol de Voilà, Vol de Et, alors, parlez-nous du rôle de Le Pen Père et on va parler aussi de Chatillon. Le Pen Père, c'est, c'est vraiment, euh, c'est le socle. C'est le socle. C'est celui qui, lorsque par exemple Dieudonné et Soral se fâchent, c'est celui qui les fait se réconcilier. C'est le socle. C'est le socle, c'est la figure paternelle, c'est le menhir, c'est le. C'est. Comme exemple, c'est Don Corleone dans le parrain. À Celui à qui on embrasse la bague. C'est le parrain. Voilà, c'est le parrain. Donc c'est le parrain de la mouvance Soral-Dieudonné C'est le parrain, y compris de la mouvance Soral-Dieudonné. C'est-à-dire qu'il y en a parrain de tout. Avec Forisson, avec des gens comme ça. C'est le parrain de tout. C'est le parrain de tout. Et Et mais mais euh, après il y a le parrain et puis après il y a Michael Corleone Michael Corleone le, mmh. le Al Pacino et le Al Pacino le chef c'est Frédéric Chatillon Frédéric Chatillon, Frédéric, Frédéric, Frédéric Chatillon donc qui est aussi le donc qui est proche de qui est proche de, le Pen, sain, qui, est proche, de... Voilà, qui est proche de Marine Le Pen aussi hein, oui. euh, et qui est aussi en lien avec les islamistes la Syrie l'Iran et le Hezbollah oui c'est lui, est lui qui, celui qui leur a présenté euh, Bachar, Bachar el-Assad qui les a fait amener en Syrie c'est euh, c'est celui qui a qui, qui a participé à fonder Égalité et Réconciliation mmh. c'est l'homme derrière Soral d'ailleurs Soral Soral n'est que le, le pantin euh, le, 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 le Jeff panaclock de, de de Frédéric Châtillon. Et vous parlez de les projets de, 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 de données aussi. Et vous parlez de rencontres avec euh, avec euh, Châtillon. Je le vois une fois à lui. Ouais. Je le vois une fois -nous. à la fin. Ouais. Je le vois une fois à la fin. Mais c'était après. Oui. Il euh, commence à se douter. après votre procès. Ouais, on parlera du procès. Hein? <laughs> c'est après. Votre procès, on en parlera. Ouais. Et donc, euh, et euh, oui, je rencontre Frédéric Chatillon. et Frédéric Chatillon qui me met à l'époque. Moi, j'ai jamais, jamais eu vraiment peur de ces... En tout cas physiquement, mmh. de, de, des gens derrière les la réconciliation. La seule fois où j'ai une pression physique, c'est lorsque je vois Frédéric Chatillon, où je vois vraiment un... Enfin, il n'est pas plus grand que vous d'ailleurs. Il n'est pas plus grand que moi, mais je vois, je sens quand même le un Asbrock quoi. Ouais. Et, euh, et voilà, et il, me, il, me, il essaie de me mettre un CP en me disant que ben, désormais je vais travailler pour eux, je vais devoir porter leurs t-shirts, porter leurs trucs, mmh. etc. Et puis là, à ce moment-là, je, je savais déjà qu'il fallait que je parte. Ouais, parce, parce qu'il veut vous faire commercialiser des t-shirts. Qui... Exactement, et puis ouais. voilà, et euh, parce que j'avais déjà au préalable fait des. des je commençais déjà à partir, j'avais déjà fait des vidéos contre le Front National, etc. Donc il essaie de me récupérer en me disant, de tu vas tu vas travailler pour nous, c'est comme ça. Mmh. Et là, je savais qu'il fallait que je parte. Un mois après, tout pète. Et alors, on parlera de ça, de Châtillon, des procès, tout ça. Mais d'abord, les caisses de Soral qui sont remplies par des financements troubles, et mmh. vous parlez notamment de l'Iran. Mmh. Hein oui, bien sûr. Alors, l'Iran, quel rôle, quel rôle a joué l'Iran bah, euh... ils, ont, ils ont joué un rôle dans déjà. Mais vous savez, ça, c'est. C'est même pas un travail d'investigation de ma part, hein. mmh. C'est que Soral le oui, dit. Oui, ça hein. a été dit, mais c'est que Soral le dit, Mais en vous étiez à, à l'intérieur, donc. c'est vrai, et Comment vrai. vous avez vécu ça, vous? C'est vrai. Et donc, euh, il a, il a des, des, des financements. Il a eu un financement en 2009. Donc, 2009, euh, la campagne, crois. la campagne européenne, le parti anti-sioniste, ouais, Donc, il dit sur Internet que, euh, dans, sur une vidéo que je crois, l'Iran a donné un, un million d'euros. Un million d'euros. Hein. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. À côté de, à côté de je crois, un mec de, du, de la Casa Pound un italien euh, FAF de la, de la Casa Pound, oui, euh, par l'intermédiaire de Guasmi, mmh, et parti, et, euh, anti hein. parti anti parti Et puis c'est les gens qu'il a toujours côtoyé, puisque moi, en tout cas à mon époque, je savais qu'il faisait des conférences avec des gens du Hezbollah euh, dans, le nord de, dans le nord de la France. Mmh. Et, et donc l'Iran a, a joué un rôle important. Qu'est-ce que Soral disait de l'Iran Qu'est-ce que Soral disait du qu que Hezbollah Qu'est-ce que Soral disait de tous ces gens-là bah, En tout cas, que ce soit Soral et Dieu Donné, on été proches des idées de l'Hezbollah, puisque mmh. pour eux, l'Hezbollah, c'est ulti, les ultimes combattants. Mmh. Euh, euh, en ce qui concerne, concerne l'Iran... Euh, bah oui, en tout cas, en tout cas euh, euh, ces gens-là qui ont représentent l'Iran, parce que je ne sais pas ce que, qui, qui, qui est à la tête de l'Iran aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, oui, ils étaient, ils étaient fermement soutenus. Et, euh, et l'idée, l'idée, c'est qu'après, lorsqu'ils allaient faire leur parti politique, d'essayer d'avoir cette fois-ci l'Iran qui les soutienne en plus de, de Frédéric Châtillon. En fait. Alors l'année 2014, on en vient à 2014, année cruciale. Mm -hmm. euh, Nette accélération, comme vous l'avez dit. 2014, c'est le c'est le, le thermomètre voilà. euh, au maximum. Accélération, Thème, explosion, de notre infiltration, avec la manifestation Jour de colère. Oui. Donc c'est le 26 janvier 2014, 2014 à Paris qui rassemble toutes les organisations radicales. Oui. Donc les réseaux du printemps français, l'Aile dure de la Manif pour tous, ordre euh, nouveau, les euh, journaux euh, du. Éléctol, Troisième Voix, Civitas, Action Française, Ordre Nouveau, groupe d'extrême droite dissous comme Jeunesse Nationaliste, Ordre Française. Le tout avec Soral en tête de gondole. Oui. le tout de gondole. Et donc il a failli. Vous écrivez. Ça je savais pas. Parce que j'ai aussi écrit un livre, donc j'ai un peu travaillé sur Soral, Je savais pas que ça a failli déboucher sur un, sur une descente rue des Rosiers. Vous savez quand, lorsque fait, lorsqu'on, on défile. C'est vrai qu'il y a tout ceux que vous avez dit, mais surtout qu'il y a beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes. Et les jeunes euh, les jeunes ils sont chauds. Et ils dire sont dire. chauds Ils alors... sont chauds. Ça veut dire que les jeunes, ils sont chauds et, 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 et il excite les jeunes. Et il excitent les jeunes. Alors, tout. les slogans. Hein. Euh, la France est catholique, ça c'est l'extrême droite ultra-identitaire, stop à l'invasion musulmane, mais elle est aussi, avec Soral, Israël hors de France, et aussi juif, juif, juif. Mm. Et après tout ça, et, et après tout le monde crie ça, il marche donc euh, dans les rues de Paris. Et vous écrivez on est en 1930. Il y aurait pu y avoir des pogroms. Oui, c'est vrai. Il y a 50 000, 100 000 personnes. La police à l'époque disait 17 000 personnes, et donc il y a cette tentative, tentation ou tentative d'aller mmh. rue des Rosiers. Oui, d'autant plus que c'est pour ça que j'en veux aujourd'hui avec aux gens de l'extrême droite que j'ai à l'époque n'avaient pas mmh. totalement relayé ça. Ils ont beaucoup relayé 2004 euh, les événements de, de Palestiniens de, mmh. de l'été, mais ça, ça n'a pas été beaucoup relayé. Ils, mmh. étaient, ils étaient nulle part ces gens-là. Moi, mmh. j'y étais Juillet 2014. Euh, les risques, ont, je les ai pris moi. Mmh. Euh, j'ai pas vu beaucoup, malheureusement, de fric parce que. Je je, je peux vous assurer que ça aurait pu déborder du, comme ça Mais alors, vous à un faites... moment même je me souviens on, défi, on, y avait la, on était en train de défiler et il y avait un, un, un vieux monsieur qui, avait, qui sortait qui avait montré le drapeau israélien à la fenêtre il était au dernier étage et t'avais des gens qui étaient en train de, plein de jeunes qui étaient en train de taper à, à la porte pour enfin, dans, 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 dans l'immeuble. Donc, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont passés. Alors, j'imagine qu'il y avait de la police et des RG, etc. Mmh. Mais franchement, j'avais l'impression que ça aurait pu déborder. Alors, une manifestation symbole de, de ce que vous appelez, vous avez appelé ça tout à l'heure, le bloc de la foi de saura et mmh. Dieu Donné. donc cette alliance entre chrétiens et musulmans contre les juifs. C'est ça le jeu oui, de colère quelque part? Alors, c'est, comme je précise à chaque fois, c'est sur le papier. Mmh. Chrétiens, musulmans, mais en vérité, ce ne sont les chrétiens, que ce soit la religion chrétienne, la religion musulmane, la religion juive, c'est des religions de paix. Mmh. Voilà. Donc, en vérité, il faut préciser, chez les chrétiens, c'est plutôt les nationalistes identitaires. Oui, oui, oui. Et chez les musulmans, c'est plutôt les islamistes qui, grâce à Dieu, représentent une partie infime de la population. Mais la plus active, minorité active. Et alors, à partir de ce moment-là, vous dites, j'essaie de trouver la faille pour le niquer. Pour niquer Soral. Oui, hein, à, partir de ce, pour... à partir de ce moment-là, oui, on se dit oui, faut, il faut le donc Et donc, vous, vous voulez faire imploser et le Parti Dieu Donné, et Soral, et égalité et réconciliation, oui. les deux, et, et vous travaillez en lien avec Valentin. un certain Valentin et vous vous rendez compte, vous avez un rendez-vous tous les deux, mmh. vous le connaissiez mais vous ne saviez pas mmh. qui il était exactement, il, dit, mmh. il vous dit, on fait le même travail, toi tu es chez Soral, mmh. moi je suis du, chez Dieu donné. Ouais. Parlez-nous de lui. En Valentin. fait, euh, Valentin, c'était lui pour le coup un vrai bras droit de Soral, mmh. c'était le bras droit de Soral de, historique, mmh. et euh, il, avait, il a été, euh, lorsque j'arrive moi à l'époque, il est éjecté officiellement de d'un commandant tour. Euh, de, des cadres parce qu'il avait une relation avec la avec la la, la, la femme du deux données c'est voilà donc donc ça la fout mal que. Donc Noémie, le bras droit, Noémie. Voilà exactement. Donc ça la fout mal que le bras droit de Soral euh, couche avec la femme du données. Et il, donc il avait il récupérait des informations. Bah oui. Et alors ce que vous dites aussi bon on va le dire à nos éditeurs, ils oui, bien hein. sûr. iront livres. Valentin est juif. Ah oui bien sûr. c'est pour ça, ça, ça qu'il infiltre Dieu du C'est ça qui est marrant. Hein est, le truc marrant, c'est ça. Voilà. Le truc marrant, c'est ça. Et Donc, donc euh, ça va. Pour des complotistes, euh, c'est vrai qu'il n'a quand même pas vu venir que qu'il qu y avait un juif qui les infiltré, ça me fait marrer, moi. Et qui était avec la femme de Dieu, quelque part, c'est marrant aussi. Oh oui, ça me ah, fait rire, moi. Hein, ça, ça pas faire Et rien, donc c'est à partir donné. de, entre, entre guillemets. Son travail, hein, que le 28 janvier. Euh, après jour de colère quand il faut faire quelque chose. De, de 2014, 28 janvier. Quatre jours après jour de colère. 4 jours après, 9h du matin, il euh, y a des perquisitions aux têtes de la main d'or, au domicile de Dieudonné, Et là, on retrouve 650 000 euros oui. en espèces euh, sous, sous un matelas de, de, un matelas, hein. de, de, de la maison de Dieudonné. Donné. Oui. Hein? alors je peux vous dire que. c'est le début de la fin, ah bah, C'est le début, en tout cas, de la fin d'une partie, parce que Dieudonné, lui, il plaît. À l'époque, il plaisait. Pla... Alors, à l'époque, avec son talent, il plaisait à tout le monde. Mm -hmm. Et puis après, il a commencé à plaire cause identitaire cause islamo et un gros luc de gauchistes. Mmh. Je peux vous dire que les gauchistes, quand ils ont su qu'il avait 650 000 euros sous le matelas, sachant en plus qu'il a, qu'il passait son temps à faire des appels aux dons pour comprendre ces procès, procès ça m'a calmé beaucoup. Et alors donc après il y a le procès, ce euh, qui, qui a lieu deux, trois ans après, enfin, euh, qui ça, qui prend un peu de temps comme tous les procès, et c'est le début de la fin cette histoire. C'est le début de la fin parce que après il a plus euh, son théâtre, euh... il a pu son théâtre, après il a passé son temps à essayer d'arnaquer, ouais. euh, de donner à travers euh, pour ceux qui s'en souviendront la nana crédit, la nana mmh. assurance, euh, il a vendu même des cercueils, il a vendu des uns, donc ils sont vraiment dans une dimension d'escroquerie. Moi ça me fait marrer parce que c'est bien fait pour ceux qui restaient et qui se sont fait escroquer à la limite, mmh. parce que était Déjà grillé en 2014. Et euh, Soral, lorsque nous avons réussi à lui enlever les Noirs et les Arabes, bon, bah, il est redevenu euh, ce, ce petit. Il enfin, y a il toujours des Noirs hein. et des Arabes avec lui, quelque part. Ah, alors, pff, des Noirs, ouais. j'en vois pas beaucoup. Hein. Ouais. Et alors, euh, vous vous concernant, 6, 6 août 2014, il y a cet article de Libération oui. qui dévoile le poteau rose. Vous êtes identifié sous votre vrai nom mm -hmm. comme leader de la Gaza Firme, oui. donc une, une association. Euh, anti-Sioniste, très dur, oui. très dur. Euh, une couverture ou un, ou un travail de militant Alors c'est... Ah oh non, c'est une couverture. Mmh. Hein. Mmh. Non, mais ce qui se passe, c'est qu'en plus, la non, Parce est... que justement, ce que vous reprochez, tous vos détracteurs aujourd'hui, c'est... Gaza Firm, hein. Oui, bon, alors, pff, ils devraient plutôt me remercier. Mmh. Plutôt que me reprocher. Parce que, mmh. encore, c'est du factuel. Il mmh. y a même, euh, pour, pour tout dire, il y a même une vidéo qui traîne où on voit, on me voit marcher à côté des gens de la Gaza firme. Mmh. une vidéo dans laquelle on voit des gens de la Gaza firme qui sont en train de marcher dans les rues de Paris, en train de crier. Israël, Israël, truc, démission, truc hors de France. Et pour, j'invite les gens à regarder cette vidéo, mmh. à taper Gaza Firm, ah, à regarder mmh. cette vidéo, et à regarder mon comportement. On me mmh. voit à côté, en train de marcher. Je ne crie pas avec eux. Mmh. Ils sont des milliers. Je ne crie pas avec eux, je ne parle pas avec eux, je ne fais pas de cris. Et vous voyez que je suis clairement en train de regarder, en train de surveiller pour éviter les débordements. Donc, euh, la à ferme en plus, c'est plus compliqué que ça. Et, 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 et d'ailleurs, et pendant toute cette période-là, vous êtes en lien euh, avec euh, Antoine. Oui, bien sûr. Oui, hein? oui, oui bien donc, sûr. Vous, Comment ça se passe Vous lui donnez, donnez je donnais, bah, ah, Non. Alors à partir de ce moment-là, quand on est là, ça, ça, ça part en sucette. Ça non, veut mais dire pendant que, ces trois ans, donc vous vous donnez. Des au début, je lui donne beaucoup de renseignements, beaucoup d'informations, mais à partir vraiment de 2013-2014, surtout mmh. le jour de malheur, je me rends compte totalement que bon, en vérité, je donne que des infos, mais rien ne se passe. Mmh. Que il, il y a des trucs qui sont en train de se passer, et je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de pouvoir public. Et donc c'est vraiment des initiatives personnelles de Valentin, de, de Joe Dalton et de moi. On se dit bon, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau, surtout qu'en plus les cadres c'est un truc assez folklorique, on n'est pas nombreux. Et donc je lui dis comment est-ce qu'on peut faire Valentin, d'ailleurs, il... qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui euh, Valentin est toujours actif, parce que lui, c'est un combat personnel, c'est son agenda. Mais il n'est a... plus auprès des données. Ah non, plus depuis hein? longtemps. Depuis longtemps, hein? Depuis longtemps. Ah, et lui, il s'est fait débusquer, démunquer, mais en même temps que moi. Mais il... Euh... il continuera toujours le combat. Et alors, vous parlez aussi, on, on passe, parce qu'il y a beaucoup de choses mm -hmm. que vous racontez aussi, on, on invite les auditeurs à, oui. à aller lire ce livre, à l'acheter le lire. Vous parlez aussi de l'affaire Binti, oui. hein, ce mannequin noir qui vit avec, qui, qui, avec Soral Flirt. C'est la fin avec de Avec qui, pardon, Soral Flirt sur Internet, mm -hmm. et comme on ne voulait pas le voir, et il lui fait un selfie complètement nu. Voilà. continue la suite. Moi, bah voilà. On l'a vu dans la presse américaine. Voilà, vous avez très bien résumé. En ouais. fait, Soral, euh, Soral euh, euh, parce qu'à l'époque, on devait monter un label. De il voulait monter un label de musique mm -hmm. euh, anti-système. Donc, moi, évidemment, euh, je récupère la, la, la création de ce label anti-système qui sera mort dans l'œuf. Mm -hmm. Et donc, euh, dans le cadre là, on est contacté par une chanteuse qui s'appelle Bintin, chanteuse euh, talentueuse en plus. Mm -hmm. Et euh, Soral tombe totalement amoureux d'elle. Euh, et donc il euh, 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 commence à avoir une relation avec elle euh, euh, il flirte avec elle par, à distance il la voit jamais et sauf que moi quelques temps à part avant on est vraiment dans la dimension qu'il faut savoir qu'il y a un chronomètre on sait qu'en novembre 2014 doit être annoncé le parti de soirée de données Mmh. en novembre 2014 donc nous on sait qu'il faut que tout pète vous quand novembre. vous dites vous nous c'est avec Valentin hein. avec Valentin avec Jérémy avec on sait que novembre 2014 il faut que ça pète mmh. donc nous on a un chronomètre donc quand euh, 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 il rencontre euh, cette nana cette euh, cette femme là juste avant on sait que la faille de, de Soral c'est des, des femmes mmh. et donc on sait comment est-ce qu'on peut faire et donc il commence à la draguer et, et il y a cette drague. vidéo rapidement oui il la rague, et puis au bout d'un moment, comme elle refuse ses avances, il lui envoie un selfie à poil, mm -hmm. qui est récupéré, donc on a un selfie de lui nu, mm -hmm. euh, qu'on récupère, elle se moque de lui à travers le, dans selfie de, de ses attributs et physiques, pose, ouais. et il poste un tweet euh, totalement négrophobe dans lequel mm -hmm. il met, euh, euh, les négresses sont des putas juives, toutes les négresses, ta, 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 ta. Euh, Dieu donné me l'a dit, et ça vient de Dieu donné, donc il fait vraiment un truc, dans donc, on a quand et voilà. Et donc c'est là aussi ça, ça marque. Et ben c'est le début de la fin parce que c'est ce aussi dit... con que ça. C'est dire qu'il est né par le buzz, ouais. et il est mort par le buzz. Et alors vous parlez aussi de tous ceux, on va pas, on va pas parler de, de, de tous ceux précisément, mais tous ceux qui, qui gravitent autour de Soral. Donc on y retrouve les, les islamistes Tariq Ramadan, Nabil Nasri aussi qui est mmh. proche de euh, qui a été proche de Boniface. Il y a, a, a Gouasmi du parti Antisioniste, Farida Belgoul, Ouria Boutelja. Euh, il y a aussi les représentants de l'ultra droite identitaire. On en a parlé Châtillon, Philippe Peninck, Marion Sigaud. On va préciser qui elle est parallèlement à son rôle de premier plan auprès de Soral, au sein d'égalité et réconciliation, la numéro 2 euh, du parti Nicolas dupont aignan Il y a même des, des en de la gauche chaviste, comme euh, le, le sénateur Zéon. Hein, qui joue un rôle important, ou le youtubeur Vincent Lapierre Rapidement, très rapidement, quelques secondes. C'est quoi le temps commun entre tous ces gens Alors, c'est plus complexe que ça, parce qu'en vérité, il y a deux franges. Mm. Il y a la frange de données et la frange Soral. Mm. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont d'accord avec les idées de Soral, mais qui veulent pas soutenir Soral parce qu'ils sont blancs. Mm. Ça, c'est plutôt euh, Arel Boutelja, les gens mm. comme ça. C'est des mm. gens qui sont plus proches de données. Donc, il mm. y a des gens dont ce que vous avez raconté qui étaient plus proches de données, mm. et d'autres qui étaient plus proches de Mais Soral. ils ont tous la même idéologie, hein ils ont pas tous, la même, ah, Ils ont tous dire... la même idéologie. Ils ont tous la même idéologie, l'antisémitisme, mmh. euh, une posture anti-système mmh. euh, totalement dévoyée. Et euh, pour certains qui... Alors après, je, je faudrait que je connaisse légitimement mmh. toutes les critiques de, de, de certains. Mmh. Pas, mmh. Pas, pas et tout et on passe, on passe, et on arrive à Frédéric Taddeï. Soral oui. parle de lui, mmh. il dit c'est mon pote. Euh, D'où vient cette proximité entre Soral et Tadi? Bah, et, et il l'a fait connaître aussi euh, la attrape... télévision. Oui, il le fait connaître. Après, il on, invite ce, souvent. Ce que, ce que ce que dit, oui, il invite souvent. Et puis ce que dit Soral, c'est que. Donc tu qu'est-ce qu que, que vous dites, qu'est-ce que vous savez de l'homme? Moi, l'homme, je ne le connais pas particulièrement. Je sais non, juste. Non, mais les, que... les relations entre les deux. Ah, en tout cas, d'après Soral et d'après ce qu'il disait dans l'intimité et ce qu'il disait même en... et en plus, ce que je dis c'est public. Hein. Mmh. Il le dit lui-même publiquement. C'est que ces mecs étaient très très proches et c'était le dernier à le soutenir parce qu'il connaît, il était ami avec la sœur de Tadi. Voilà, donc lui, il, il, très longtemps, pendant très longtemps, Tadei a travers. Alors, je ne connais pas Tadei, est-ce que c'est. Est-ce que c'est un, un soralien, Tadei je, 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 euh, hein. je ne sais, je, je sais pas du tout. Qui aujourd'hui travaille pour RT France Je ne sais pas du tout. Je ne pourrais aussi, pas le dire, ça. Il y a aussi, mais là, vous ne l'avez pas connu, il y a aussi Eric Nolo, hein, qui, a, qui a travaillé avec sorel qui a publié un bouquin avec lui, des Accordés, Accordés, où Nolo parle dans ce livre, qui reprend des thèmes un peu soraliens, il parle de choix business. Alors, euh, moi à titre personnel, je n'ai pas entendu parler de Nolo, je ne l'ai jamais croisé, je, je, le peu franchement après mmh. je, que j'ai entendu de Soral, c'était jamais en bon temps. Alors vous parlez tout à l'heure aussi de euh, The mmh. euh, donc, Zemmour. D'après Zemmour, d'après Soral, qui a révélé des échanges dans une vidéo de son cru euh, c'est entre lui et, et Zemmour. Hein qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous pouvez nous dire des relations entre les deux Ah ben ont, euh... vous dites vous parlez de déjeuner entre Soral et, et, et Zemmour Ah bien sûr mais attends euh, moi je pense que pour, Zé, pour Zemmour et, et Soral il faudrait que vous voyiez euh, je sais pas le euh, le dessin animé une fois l'homme là vous savez mmh. le grand et le petit. Mmh. Voilà c'est des... <laughs> je pense que c'est des gens qui ont qui ont une fascination qui ont des points communs sur euh, d avec Ramadan, ils ont un point commun sur le virilisme, mmh. le masculinisme le plus, euh, le plus le plus le plus plus crasse je sais pas comment le dire. Donc ça je pense que leur point commun c'est ça. Mmh. Et puis après idéologiquement parlant, Soral le dit. Moi, je le sais. Ils mmh. dînaient, ils, 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 ils parlaient ensemble. Ils ont ils sont fréquentés. Et, 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 et Soral dit aujourd'hui que, que Zemmour lui a piqué toutes ses idées. Mmh. Et c'est vrai dire. que vous, parce que vous disiez tout à l'heure par rapport à, à Zemmour, euh, ils ont ils ont le, Zemmour aujourd'hui a autour de lui ceux qui étaient auparavant chez Soral. C'est vrai ça? Oui, parce que qui par exemple? Mais, mais bah, en tout cas, de nom, je connais Thomas Joly, par exemple. Mm -hmm. Comme Thomas Joly, je sais que c'était des gens qui étaient consoutenus. Mais il y a, une, y a une, 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 comment dire, une idéologie commune entre les deux hommes. Bah, il suffit de voir le credo, le credo, mm. le credo euh, Soralien, qui était euh, euh, gauche du travail, droite des valeurs. Mm. Ça ressemble, ça ressemble un petit peu, mm. ça ressemble un petit peu à la rhétorique Zemmourienne. Et puis, entre autres, et puis, il faut vraiment regarder les vidéos de, de, de Soral. Elles sont, sans, elles sont sensiblement. Pareil avec les vidéos de Zemmour, sauf qu'on change de bouc émissaire, mmh. on remplace les juifs par les musulmans. Et euh, Mais sur Pétain, il disparaît. Hein. Sur Pétain, il disparaît, sur Dreyfus, il disparaît, euh, sur, sur, enfin, il disparaît sur beaucoup de choses. Il disparaît sur beaucoup de choses et sur des choses qu'on n'aurait jamais pu. Euh, C'est-à-dire qu'il y a une soralisation des esprits, mmh. une soralisation du débat public. Qui fait que maintenant euh, 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 le débat public s'est droitisé mmh. sur certaines sur certaines thématiques qui étaient euh, très enfin qu'on ne voyait que, que dans les vidéos de Sorale ou de Dieudonné en 2014. Mmh. loi Guesso, etc. Et vous, Et vous faites un parallèle donc entre les deux aujourd'hui. Ah, je fais totalement un parallèle. Je trouve que c'est, je trouve que le, je trouve qu'il est, c'est beaucoup plus dangereux, c'est beaucoup plus difficile de combattre, de combattre Zemmour que de combattre Soral. C'est, Soral, c'est un, bah, un grand blond, blanc, qui, qui fait un peu nazi et qui, et qui a en plus des folies. Mmh. Parce il est complètement, il est complètement ouf. Donc il disait des, des choses mmh. euh, sur, des choses sur la vie privée. L'autre, il a un discours plus feutré, plus politique, plus, plus plus concret sur certaines choses. Et puis il a des gens peut-être beaucoup plus sérieux derrière aussi. Alors plusieurs reprises, donc vous écrivez, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, que Soral qui se présente comme un champion de boxe, hein, mmh. champion de boxe français, thaïlandais, euh, euh, anglaise, ouais, anglais, est, un les langues, en fait, euh. est un trouillard. Et vous dites aussi que c'est un pervers sexuel, et est un consommateur de substances. Qu'est-ce mmh. qui vous Qu'est-ce qui vous pousse à dire ça? Et qu'est-ce que Soral vous disait de ses rendez-vous dans la justice? Parce qu'il nous reste bon, 4 minutes, on a plein oui, de Oui, alors ce ouais. que je dis, ben je le dis exactement comme ça, je l'affirme. J'attends juste qu'il me fasse des procès. procès. qu'est-ce que vous affirmez ah ben J'affirme je, je suis, je, je suis, totalement que c'est un, un, un toxicomane, euh, trouillard, euh, mmh. euh, pervers narcissique. ce qu'il du subutex. Du subutex. Du subutex C'est-à-dire Subutex, c'est les substituts d'héroïne. Mmh. C'est moins cher. Et, et il en consomme beaucoup euh, Aujourd'hui, je ne sais pas. Mais à l'époque, oui. Et, et puis après, et après tout, bon, il y a des gens très bien qui, qui prennent la, qui prennent drogue à la limite, ça c'est pas ça. qui me gêne. Mm. Moi, ce qui me gêne, c'est son, surtout qu'il cas qui a important, c'est son côté gourou, son côté sexe, son côté euh, de, de 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 serrer les militants et les militantes. Mm. Euh, voilà, c'est ça. Et, 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 et le sexe, ça compte beaucoup pour lui. Oui, pas mes femmes. Oui. Hein? Oui. C'est un, dire... un, un point commun. C'est un point commun qu'on trouve, euh, qu'on trouve beaucoup euh, dans ce milieu-là. Alors mm. après, moi, je vais pas dire que je suis blanc bleu. Hein. Moi aussi, j'aime mm. bien le sexe. Hein, mm. Donc, c'est pas ça le souci. Hein. Je vais mm. pas lui reprocher ça. Mais euh, dans un rapport de domination, dans un rapport totalement de domination pervers, oui, c'est très important pour nous. Alors lui. autre chose, vous, 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 vous évoquez aussi vos souvenirs euh, des procès. Et d'un procès euh, de ah, avec vous de septembre 2014. Racontez-nous ça. <laughs> et ben, ce qui était marrant, c'est que euh, fin euh, en 2014, au bout d'un moment, je fais. C'est vrai que quand il y a euh, libération qui me out mm -hmm. et que je me dis bon, il euh, y a novembre, l'article est en août. Il faut absolument que ça pète. Donc, le, le procès c'est en septembre 2014. en Septembre 2014. Donc, c est, c est Moi, je une procès, vidéo en août. Hein Moi, et ça m'a amusé de lire ça. Allez oui, je fais une vidéo. Je fais une vidéo en août et tout. Et puis après, euh, Soral me dit euh, bon, c'est très mauvais ce que t'as fait. Euh, les gens se disent que t'es en train de me laisser. Euh, il faut absolument qu'on soit vu ensemble. Pourquoi? Bah pour qu'il qui est toujours Mathias Cardet, euh, l'ancien Black Dragon, euh, le Black à côté de lui avec ses hommes. Et donc il faut qu'on soit vus ensemble pour la pour le milieu de la fa fausse sphère parce qu'il faut pas que la fa fausse sphère ça ce que tu m'as laissé tomber. Et il me demande de vous accompagner, de l'accompagner à votre procès. Un procès de? Un comment... procès avec vous, Monsieur Isa. Il dit il, je vois aussi ça. Il vous dit il faut le vous. A... Ouais, faut Ma... qu'on soit vus ensemble. Pourquoi? il faut que ben il faut que il faut toujours que Sora déjà euh, il a la possibilité qu'il y ait des gens de quartier parce qu'il y a toujours des gens de quartier mmh. mais il a un peu peur et puis il faut que je sois là et, et parce qu'il que... arrive avec ses, le poste, il arrive avec son t-shirt goy oui il avec son t-shirt ah. goy et tout vendu. et ouais, vous êtes derrière lui ouais je suis parmi les, les gens qui sont derrière ouais. lui parmi les gens qui sont derrière lui et puis là on on se vous voit vous ouais alors ce qui me fait marrer c'est que euh, à l'époque ce qui m'avait impressionné ce qui est marrant mmh. euh, pour le coup c'est vrai que euh, Sora ils avaient ils avaient chanté une chanson sur vous Aziza et tout mmh. et ce qui m'a fait marrer c'est qu'en fait fait vous va vous, 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 vous battre alors, il faut savoir qu'à l'époque, en plus, lors du procès, il y a quand même beaucoup de jeunes. Mm -hmm. Beaucoup de gens de quartier. bon Un peu moins, mais il y a quand même 30-40 trucs. Et je vous vois, vous, vous battre avec des mecs dans les escaliers. Je me dis, mais il est malade, il va se faire démonter. Mm -hmm. Donc ça, c'était un truc qui m'avait marqué. Pourquoi C'était bon, voilà, juste que Soral, qui est, euh, soi disant, le Ubermensch, le, 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 le nazillon, qui, qui qui peut pas se déplacer avec... Euh, il a besoin de moi pour se déplacer et qui a toujours besoin d'avoir 50 mecs autour de lui parce qu'il a peur de la LDG, il a peur de tout le monde. Et puis, euh, vous... Euh, euh, un peu plus petit <laughs> un peu plus petit qui n'a pas peur de se battre contre ces mecs-là donc c'est juste ça qui est marrant de la même manière quand on voit Soral avec Joe Dalton enfin, et alors vous écrivez aussi que donc Soral qui est trouillard euh, et vous dites il a peur de faire un séjour en prison pourquoi alors ah mais ça c'est sûr qu'il peut pas il peut pas il peut pas rester en prison, Ça c'est impossible Pourquoi parce que parce que parce que pour parce que drogue parce que parce que il a ses habitudes parce que il a les habitudes bourgeoises parce qu'il a quand même gagné beaucoup d'argent dans cette histoire. Des millions d'euros vous dites. Il a beaucoup d'argent, c'est important hein. Lui est est euh, de donner, donner. donner avant tout avant tout avant tout c'est un fonds de commerce c'est a pas du gain. Et alors et vous dites c'est pour ça qu'il s'est enfui en Suisse à Lausanne. Entre autres il s'est enfui en Suisse il il à Lausanne. Il c'est parce qu'il veut pas, il, parce qu veut pas et parce que aussi ça commence à devenir compliqué puisqu'il y a eu une descente qui a été faite par des Black Dragons. Et alors ouais. On arrive à la fin de cette émission. Est-ce qu'on sort indemne d'un tel parcours, Thomas Malen euh, C'est quoi désormais votre vie C'est quoi votre avenir C'était très compliqué en 2015. Ouais. Euh, parce que déménagement, parce que attaque, euh, euh, pas du tout médiatisé, et parce que c'était très dur. J'ai vécu dans des hôtels et tout. Hum. C'était très dur parce qu'après, il a fallu que je trouve du boulot euh, avec mon nom qui est grillé. Euh, à cause de l'article de Libération, etc. Donc, euh, j'ai réussi à travailler dans, dans le cinéma et tout. Mmh. Ça allait, ça a bien allait. Et là, aujourd'hui, je commence à être un petit peu relou lorsque je vois euh, des gens supposés être du même camp qui ne parlent jamais du fond, qui mmh. ne parlent jamais de ce que je raconte et qui se permettent juste de m'attaquer moi, ma personne ou attaquer. Euh, et votre je... avenir alors très rapidement. C'est le cinéma Mon avenir, c'est le cinéma. Mon avenir, c'est faire des séries euh, euh, sur les Black Dragons, euh, mmh. faire des films, euh, des comédies. Euh, voilà, c'est ça, mon avenir. En tout cas, merci. Alors, avant de conclure, Thomas Lange, et je fais raconte, un gros bisou à Caroline. À Caroline, à Caroline Forest, hein, ouais. qui, 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 qui nous écoute. Oui, donc, oui. je rappelle que, et qui a donc euh, préfacé votre livre, Caroline oui. Forest. Donc, je rappelle que ce livre, Les bouffons de la haine, euh, qui raconte donc comment vous avez infiltré l'extrême droite antisémite de Soral, donc préfacé par Caroline Forest, est publié chez Grasset. Merci mmh. d'avoir... Avoir accepté notre invitation. Et j'en je, je, je place une aussi à Valentin, qui m'écoute, et puis à mon grand, euh, Jérémy Maradas Nado. Donc, Valentin, qui était infiltré, voilà, l infiltré, et, juif l infiltré juif, chez juif Et Jérémy Maradas Nado, dit Dalton. Voilà. Bonne fin de journée sur Radio J, et à dimanche prochain. Merci. Merci.